devons avoir une politique de relance de l'économie européenne avec une politique de croissance, et notamment en faveur des jeunes de moins de 25 ans. 27 millions d'Européennes et d'Européens sont au chômage, dont près de 7 millions de jeunes de moins de 25 ans. Donc il y a une première politique forte en matière d'emploi. Deuxièmement, protéger contre les diverses concurrentes que nous connaissons dans le monde. Et là aussi, nous devons ainsi avoir un juste échange entre ce que nous faisons, nous, en Europe, et les partenariats que nous pouvons avoir avec d'autres dans le monde.